Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 84e épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à une petite chronique en fait de ce merveilleux livre qui est La Partition Intérieure de Jacques Siron. Hein, ok. Donc bon, je vous le dis de suite, c'est le livre à avoir lorsqu'on s'intéresse au jazz, à la musique improvisée. C'est ultra complet. Donc voilà, comme vous êtes souvent nombreux à me demander un peu des sources, des méthodes, des livres, tout ça intéressant à lire, vraiment c'est ultra complet, ultra bien fait, ultra clair aussi, et vraiment, enfin, c'est très très abouti, franchement, c'est vraiment un merveilleux livre, voilà, donc il y a tous les aspects, on va dire itinérant en fait à la théorie musicale et itinérante au jazz, relative au jazz. Mais il y a aussi pas mal de trucs pas abstraits, je dirais, mais un peu plus, voilà, par exemple les formes et la construction du récit, l'improvisation thématique, l'improvisation formulaire, les matériels et leur transformation, l'improvisation motivique, dynamique de la phrase et des mouvements mélodiques, enfin vraiment c'est génial, et je pense que ça, vous voyez les gars, ça c'est le livre d'une vie, ça. Lorsqu'on est musicien, donc pas que pour les guitaristes, hein, là on est dans le cadre du vlog, du guitar vlog, mais c'est pour tous les instruments, hein, quels qu'ils soient. Notamment, ce que je vous dirais, ça c'est un livre qu'on lit en fait, on va dire, peut-être en entier, mais surtout après on fait... Voilà, on met des petits papiers pour garder des trucs, pour revenir dessus. C'est un outil... Je pense que si on devait avoir un seul livre, à lire en fait dans sa vie de musicien, ça serait dans sa vie de musicienne d'improvisateur, ça serait celui-là. Jacques Siron, il habite, d'après ce que j'ai vu, il habite en Suisse, il est contrebassiste. Voilà. Donc je vais vous parler un peu du sommaire, je vais vous donner par exemple dans le sommaire, première partie on a l'improvisation, donc écouter, idée de base pour apprendre et enseigner l'improvisation, les racines du jazz et des musiques improvisées, quelques points de repère, quelques réflexions sur le phénomène musical, improviser le côté de la musique, improviser le côté de l'improvisateur, c'est quand même vachement génial. Deuxième partie, le son, notion de base, le phénomène sonore, les hommes et leurs machines à son, improvisation et son, c'est vraiment super. Troisième partie, le rythme, notion de base, swing et vitalité rythmique, construire le rythme. Quatrième partie, la mélodie, notion de base, les matériels mélodiques, évolution et comparaison des systèmes acoustiques, évolution et comparaison des systèmes mélodiques. Cinquième partie, l'harmonie 1, donc notion de base sur l'harmonie, notion de base sur les matériaux harmoniques, évolution des dynamiques verticales et linéaires, évolution des matériels harmoniques, dynamique tonale dans l'harmonie fonctionnelle, dynamique linéaire dans les progressions harmoniques tonales, la tonalité diatonique, la tonalité chromatique 1, l'harmonie dominante, 2, l'altération chromatique et l'harmonie symétrique, 3, les échanges modaux, les modulations et les relations entre les tonalités, phrase harmonique et analyse harmonique. L'harmonie 2, notion de base sur l'harmonie, l'improvisation harmonique. L'approche verticale des matériels consonants, l'approche linéaire des matériels consonants, cadence et cycle harmonique, les figurations des accords en tierces. L'harmonie 3, le blues, matériel mélodique contemporain, matériel harmonique contemporain. La tonalité chromatique 4, harmonie symétrique, symétrie harmonique et multitonalité. Voilà les gars, là c'est le modalisme, la polytonalité, tiens, l'improvisation et créativité harmonique, réharmoniser et harmoniser, la tonalité et la tonalité libre. Là les gars, je vous dis, il y a du lourd. Les formes de la construction du récit. L'improvisation thématique, l'improvisation formulaire, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et neuvième partie, l'orchestre. Improvisation et groupe, accompagné, dialogué, instrument polyphonique, basse et batterie. Composer un orchestre et composer pour un orchestre. Vraiment, c'est... les gars, c'est génial. Hein. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est... Il y a combien de pages, hein? Il y a presque pratiquement 750 pages, 765 pages. Okay, vous voyez, il y a... Donc, gros avantage, c'est que c'est en français. Hein, c'est quand même... on a vraiment de la chance. Donc, bon, là, je ne sais pas si je peux le dire dans une vidéo, mais c'est à l'édition Outre Mesure. Voilà, c'est le genre de livre, si vous voulez, si vous l'ouvrez au hasard comme ça, on trouve toujours
quelque chose d'intéressant à lire, par exemple, tous les soirs, ou, etc. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment un livre intéressant. Et donc, il y a le fait de le lire et tout, il y a le fait de le comprendre, mais après, le mettre en pratique, ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, voilà, les gars, pour ce 84e épisode du Guitar Vlog, donc, la partition intérieure, ça, c'est un bouquin que vous devez avoir. Voilà. Allez, bye. Les gars, à bientôt, à demain.